wesh, bien quoi? On se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc bonjour Malaise TV. On va regarder des vidéos assez malaisantes, donc on verra. Après, je pense que j'ai déjà vu certaines vidéos parce que sur Twitter, il y a tout. Genre, c'est l'affiche totale. Il y a un compte Malaise TV. Mais moi, j'ai peur qu'un jour je me retrouve sur ce compte-là. Parce que parfois, je vous avoue, je suis malaisante un peu. Je suis très malaisante. Mais bon, avant de commencer. Je vous partage le Snap et l'Instagram d'une abonnée qui a gagné, pas un concours, mais un truc sur... Enfin, j'avais fait un live sur YouTube et du coup, j'avais dit la première personne qui met tel emoji, il a sa pub au début de ma vidéo. Donc du coup, celle qui a gagné, donc Améline ou Emeline. Je sais pas si c'est fait exprès ou si tu t'es trompée ou si tu t'appelles vraiment Améline ou si tu t'appelles vraiment Emeline. Mais je vais mettre son Snap et son Instagram en barre d'infos, donc si vous voulez l'ajouter, libre à vous. Et c'est en barre d'infos, donc voilà. Et c'est parti. C'est Marine Le Pen qui, de son côté, promet une France apaisée. Est-ce possible? Mon invité ce soir, Louis Alliot, le vice-président du Front National. Et merde, il fallait annoncer la guerre. Regardez le mec qui est à faute. 2-0 pour l'équipe de France et qu'on ramène... l'euro et qu'on reprenne celle de l'Espagne de l'équipe de l'Euro 2000 il y a 4 ans et qu'on la reprenne, effectivement qu'on la reprenne cette équipe de France et qu'on la ramène. Et 2-0 pour l'équipe de France et un but de Griezmann et de Giroud et allez la France. Voilà, bah ils ont peut-être entendu, en tout cas ils sont dans cet hôtel dans le quartier de Bercy jusqu'à 18h30 à peu près, puis ensuite ils prendront le bus qui est là pour aller vers le stade de France le match à 21h. Merci beaucoup Antoine Arnaud. Jean-Luc Jotin, David Laurent, écoutez ceci. Depuis que j'anime Question pour un champion, c'est la première fois qu'on écoute ce chanteur. Quel rappeur français? Quel est ce rappeur français que vous venez d'entendre interpréter le titre Validé? Validé avec Benache qui dirige également un collectif appelé 92. Oh, Jocelyne. Jocelyne. Soprano. Qui regroupe à l'origine des rappeurs des Hauts-de-Seine. Maître Gims. Non. C'est des ouf. Tout. David. Nekfeu. Non. Jean-Luc, un rappeur, n'importe lequel. Non. Pas mon voyou. Booba. Ah, Booba. Booba. En mode bah, du coup, Marine prenait moins de temps pour elle. Là, c'est elle, elle, était, voilà. Elle attendait un bébé, là. Non. Non, non. C'est gentil pour elle. Un peu ce qui se dit à la radio. Espèce d'oreille traînante. Un peu, mais plutôt comme ça, vous savez. Attendez, les oreilles. Les oreilles comme ça. J'ai eu un chien comme ça. Elle se joue là. J'ai pas fini ma nuit, moi. Je vais continuer l'émission, messieurs-dames. En particulier, entre les mariés, ils étaient plutôt là pour rigoler. C'était pas du tout solennel. Et c'est vrai que ça peut être assez perturbant. Mais tu veux qu'il plaire ? Cérémonie où on s'attend quand même à un minimum d'émotion. Aux armes ! C'est malaisant, mais c'est normal, je suis pas tranquille. Je suis d'accord. Ça crie, en fait, c'est vrai que ça fait penser à... Vous demandez de leur dire au revoir, et puis de les quitter. Alors, elle va tomber. Je ne vous oublie pas, non, jamais, vous êtes ouais. Creux de moi. Dans ma vie. Et je vous retrouverai. Ouais. Question de regarder. Vous savez qu'on garde. Ça me fait penser à Cyrano de Bergerac. Bergerac, c'est un sentiment soudain. Bien. Mais c'est vite ta mère. C'est bon, arrêtez la musique.
Qu'est-ce qui t'arrive? C'était pas une question. Qu'est-ce qui t'arrive? C'était pas une question pour, je sais pas, à Mathieu, pour c'était, c'était prévu la question. Où est-ce que je peux l'emmener en voiture? Hein? De quoi quand t'as une Où est-ce que je peux emmener une fille en voiture? Où est-ce que tu peux emmener une fille en voiture? Oui. T'as rien, moi, pourquoi? Mais déjà, faut une fille. Non, mais t'as pas le permis. Faut que tu trouves une fille qui sache conduire déjà. Ah, il a... Non, mais t'as pas le permis. Excuse-moi, mais lui, il fait bien la télé, mais il a aucun charisme. Hein. Il est fou, ce mec. Ça va, Mathieu? Il aime plus les mots. Tu vas en faire une vidéo. Vas-y, vas-y encore. Sur Gilles Verdez. Sur Gilles Verdez. Attends, Gilles. Vas-y. Comment je fais pour la faire rire? La fille? Oui. Ah, je suis pas très doué pour ça. Vas-y, dis-moi. En tout cas, je m'habille pas comme toi. J'ai pas envie d'être le con. Par contre, c'était nul. Manque de respect, c'est vraiment un sale gosse comme il y a écrit sur le t-shirt. Pose-toi une à Cyril plutôt. Ouais, vas-y. Je peux y aller. Moi, vas-y. Vas-y, vas-y. Est-ce que j'ai le droit de. Est-ce que je dois payer pour le premier soir? Ah non, c'est pas du tout. Ah, ça, c'est le truc. C'est pas le truc des handicapés, ils disent levez-vous. Tout le monde est bon. Oh, le malaise. Le malaise. En plus, il insiste. Elle va tomber, mon frère. Elle est maorée. Je crois que c'est ça, maorée. On vous a pas oublié. Ah. On vous a pas oublié. Voilà, la vidéo, elle est terminée. Si vous aussi, vous avez ressenti tout le malaise dans les vidéos, là, dites-le en commentaire. Et puis voilà, bon, bah, je vous dis à samedi prochain. Parce que là, en plus, je vais tourner la vidéo de samedi prochain. Donc, comme je vous ai dit en début de vidéo, je serai habillée pareil, même tête pareil. Voilà. Parce que moi, je fais des vidéos pour vous, là. Je vous aime. OK, bon, bisous. Bye. Vous voyez? On ressent le malaise ici, là. M'affichez pas sur Twitter, voilà. Allez, bisous.